Girl girl. Oui, oui, oui. J'ai jamais entendu. She's a Mona Lisa. Hi guys, what's up? Alors les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai une invitée. Je vous présente Leslie. Hi. Le thème du jour, c'est qu'on va apprendre à Leslie à parler arabe. Mais pas que. En fait, j'ai choisi les pires mots de la langue arabe. J'en étais sûre. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que toi, t'es prête? Je suis prête. T'es chaude? Je suis grave chaude. Il va plus l'être dans deux secondes. C'est clair. Good girl. Oula. Good girl. Good girl. Good girl. Ça va, on valide. Zafran. 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 Ça commence à venir. Donc ce mot là, ça veut dire, genre quand tu parles à un mec, genre frère. Ah ouais, mais en mode hyper thug, on va dire, tu vois. Khouadri. Le khouadri. Le khouadri. Hey, je crois que tu masters le kh. Rarakni. Attends, redis. Rarakni. Kni. Vas-y. Rarakni. Je. Ma. Ma. Pelle. Je m'appelle. Mes poupous. Rarakni. Là, tu l'as eu. Ok. Tu l'as fait. Ok. J'ai le point. C'est un mot, si je ne me trompe pas, dites-moi en commentaire. Je crois que c'est un truc marrakchi. Dites-moi si vous reconnaissez ça en commentaire. Bjgni. 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 C'est trop dur. Bjgni. Wawa, un gotora. Hé, je suis presque, non? T'es presque pour avoir des fesses. Wawa, un gotora. T'as prononcé à la facile. Mais les gars, alors qu'on m'a fait, il n'a pas le facile d'abord. En plus, la ulade zaki, tu vois, je suis là. T'as rien compris? Non. Pardon. Wesh hina askar ou lazma? Wesh hina? Askar ou lazma? Askar ou lazma? C'est ah ouais, ouais, ouais. Ça veut dire quoi? Ouais. Tu vois, rien dit, je fais comme ça. Bon. Le mât ou ch'taba, t'alqa un bhar. Attends, faut le faire par étapes. Le mât. Le mât. Ou ch'taba. Ou ch'taba. T'alqa. 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 Mais il y a un son qui sort de sa bouche. T'alqa. Are you sure about that? Quand est-ce que j'ai dit rien? C'est un mot en arabe. Ah bon? Ce que j'ai dit. T'alqa. Tikshibila, tiwili oula. Eh hey, parfait, t'as grandi dans les rues de la rue. Shiftik la zlop. Oh merde, j'arrête. Shiftik la psa zlop ou un zlop. Shiftik la psa zlop ou un zlop. Franchement, on passe. On accepte. Je me prépare parce que même moi pour le dire avec l'accent facile. Bon, j'ai fait des efforts, mais moi en fait, je suis mal. Elle me l'a dit, donc. Tahed Brada, Fibrada, Fibrada, Ukralitz, Ukralitz, Fur, Fur. Vu que même moi, tu vois, j'ai des problèmes avec ce phrase-là, je crois que tu l'as eu. On passe au troisième niveau. Je ne vais pas seulement t'apprendre à parler arabe, j'ai envie de t'apprendre un petit plus. Comme ça, lundi, quand on sera au bureau, si vous ne savez pas, Leslie, on travaille ensemble. Oui. Je veux que tu les choques, tu leur sortes un truc, genre une expression marocaine. Ah, vas-y. Et je veux que ça parte en aigu. Toi, tu peux me la faire? C'est la chouille de ma life. Mucha asusada. Non, c'est pas ça, t'as parlé espagnol. Mucha asusada. Prononce hyper grave. Mucha asusada. J'ai dit grave, pas énervé. Tu m'as dit un truc de thug. Mucha asusada. J'aime pas arrêter le massacre. Smile. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. So my girlfriend or sis.
Merci. Parfait, c'est passé une crème. On dit voilà tout le temps. Ouais. Bonjour. En fait, c'est une expression qui veut dire la même chose. Moi, je l'ai appris de chez Abdelkader Secteur. Ksimbil. Vas-y, je te jure. Donc là, tu as fait le level 1, il était bien. Level 2, level 3. Franchement, ça va. T'en as bien sorti. C'est pas fini. Il y a le boss level. Je t'ai préparé le thé. Tu verses du thé et il faut la bonne manière pour verser le thé, tu vois. Genre, netwell, tu vois. Et en même temps, tu vas dire une phrase, mais typiquement, c'est que, genre, avec la mimique et expression d'une arabe. Est-ce que tu as déjà versé du thé marocain? Ouais, en mode comme ça. Voilà. Oui. On verse du thé et on verse du thé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est deep. Pas très deep, en vrai. Tu vois, j'ai dit un truc de deep, mais bon. Trinalik Boula. Tu veux dire quoi? Non, t'es sérieuse. Ah, ouais. Donc, en fait, tu vas servir le thé et tu vas me dire genre Trinalik Boula. Oui, 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 oui. Trinalik Boula. C'est la partie. Oh, dear God. Trinalik Boula. On va être hyper chaud. Genre... Pousser, pousser à la mexicaine. Trinalik Boula. Attends, je m'en rappelle plus. Ça commence pas. Trinalik Boula. Ouais. Vas-y, vers ce début de thé. Attends. J'ai checké le thé en même temps et tout, j'étais genre. J'ai oublié le oui, 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 oui. Tu te souviens de la phrase? Non. Je ne sais pas demander ce. Drane boule. Ouais, vas-y vite. Et dis pas oui, oui. Ah oui, merde. Attends. Drane boule. Leïla, elle est là, c'est bon, on l'a rebaptisée, c'est plus Leslie, c'est Leïla. Leïla, enchantée. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. On s'est grave marré. Merci Leslie de t'être traitée au jeu et d'avoir appris quelques mots en arabe. Je vais en sortir plein lundi au bureau. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est Mima by Camille. Checkez, venez, marhaba, si vous voulez venir. Ça, lundi, vous allez voir et assister à. Mais tu le dis avant, comme ça je filme. Oui, oui, oui. Bye, guys. C'est hyper dur, hein. Les mots. Ah ouais. Ouais, t'es ouf. La manière de boire le thé, c'est comme ça. Et là, mesdames et messieurs, il y a la marocaine qui ressort. Once you get to meet her, you see her walking down the boulevard.